1, go. Bonjour, hein, et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Alors vous noterez que j'ai dit bonjour et pas bonsoir, c'est incroyable, hein, vraiment. Il est 21h. Excellent. Excellent, le mec n'est jamais décalé. Esprit de contradiction. Non mais j'y suis allé par réflexe quoi, le mec est vraiment décalé par réflexe, ça fait plaisir. Nous sommes donc sur un nouveau let's play avec Arthur, bonjour Arthur. Salut, salut. Qui joue Serre Sion Dubois. Voilà. Oui. Qui sera donc bûcheron. Shinai, qui nous joue Castellano. Pam. Voilà. Et donc un musicien de rue. Et moi je jouerai Ange en herboristerie. Nous sommes sur For the King. Un jeu dont j'ai profité gratuitement sur l'Epic Game Store et qui maintenant je sais plus à combien il est, je crois qu'il est à 20€ à peu près. Il est à 20 balles parce que moi ça... je l'ai payé 20 balles. Ça, voilà. Il est à 20 balles, mais à 1€, enfin il est gratos sur le Xbox Game Pass, je crois savoir. Aucune idée. Il était. Ou il était. Semble. Il est peut-être sorti du pool depuis. Il était, il était gratuit sur la plateforme là, comment ça s'appelle ? Epic Games. Ouais, Epic ça Games fait un moment. Ouais. Là où je l'ai il était gratuit sur Amazon. Il était gratuit sur Amazon il y a un moment déjà. Ah d'accord, je savais pas. Bah, c'est pour ça que moi je l'ai eu en double, donc j'ai envie de pleurer. Étant donné que je suis un PC Master Race, je sais absolument pas ce qui se passe sur Xbox. Donc voilà. Ouais. Mais t'as oui, mais alors attention, le Xbox Game Pass c'est pour tout le monde, mais enfin, je suis pas payé pour leur faire de la com. Et puis bon, c'est Microsoft donc ils peuvent toujours aller se faire. Sier. Champouiner. Oui, champouiner, ça marche aussi. Donc voilà, en fait, excellent jeu. Oui. Microsoft. Ouais, voilà, non, pardon. Est-il non, j'avais dit une connerie, mais. Oh, elle est tombée. Ok, d'accord. les gens l'ont entendu, t'inquiète pas. Ouais, excellent jeu, vraiment. Sincèrement, excellent jeu. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Ouais, ouais, quand on attache sur l'équipement. Voilà. Il y a des petites notes Darkest Dungeon quand même hein, dans le jeu. Hein. Il y a un petit côté poutrage de face. Ou comme le dirait Shinai, c'est de la copie exacte d'un. Non, c'est pas toi qui disais ça, c'était Cinéal. Il disait en fait c'est Héros et Chaos mais en jeu vidéo. Ouais. Il y a un petit côté poutrage de fion qui est un peu énervé. Donc ça a l'air kawaii, mais le jeu n'est pas forcément facile. Et en plus, pour notre première, nous partons en compagnon. En compagnon. Donc on augmente le niveau de difficulté. Qui a envie de lire Arthur? Ah! C'est par ordre alphabétique. Le bon roi Bronner a été assassiné. Le royaume de Farul, auparavant paisible, a été corrompu par une énergie chaotique, sauvage et ravagé par des monstres et des bandits. La reine Rossomon, en deuil, a appelé les citoyens ordinaires de Farul à rechercher l'assassin du roi et la source de l'énergie chaotique. L'histoire commence maintenant dans la forêt Sentinelle, où les rumeurs sur les activités suspicieuses et la présence de sinistres étrangers vont bon train. Trois héros en devenir se retrouvent à Bouram pour commencer leur. Parfait. Franchement, parfait. Même s'ils auraient mérité de changer le M par un G. Mais ok, on continue le scénario. Y a que moi qui trouve que Farul ressemble étrangement à Hyrule. Non, Non, y a pas que toi. Alors là, c'est la reine qui parle, donc il nous faut quelqu'un avec une voix de femme. Shinai. D'abord, c'est un sorcier. Pardon. D'abord, c'est le sorcier Vexor qui disparaît. Puis, on assassine mon mari dans son propre palais. Vous êtes le dernier espoir de Farul. Je peux pas faire plus aigu, hein, désolé. Parfait. En vrai, parfait. En attente du joueur. Cherchez Hildebrand dans Bois-Tuyau. Oula. On vous informera de la meilleure manière de vous aider. Oh, je sais pas lire, merde. Fais chier. Attends. Votre quête commence. Luttez contre le chaos avant qu'il n'embrase notre royaume. Objectif de quête. Aller à Bois-Tuyau dans la forêt sentinelle. Encore pour retrouver Hildebrand. Hildebrand. En vrai, on part de Bourrache pour aller à Hildebrand. Pour aller voir Hildebrand. On part de Bourrache pour aller à Hildebrand. Oh, le mec, ah, ce jeu est vraiment bon est incroyable. Sans vouloir être vrai chiant. Le. Alors, eh putain. Il eh, y a un hôtel plein de thunes hein, devant nous. Hein. Ouais, c'est pour moi. Je vous le dis tout de suite. Yes. Bah vas-y mec, tu t'apaises. Hein. Bah vas-y. Ah, attends, vas-y, embrouille tout le monde. Non, mais c'est assez furtif pour embrouiller les gens. La blague, c'était le moins furtif, je crois. Embuscade, ah, ouais. C'est toi le moins furtif. C'est Sion et Ange qui sont les plus furtifs.
mec. Sinon, vas-y, embrouille tout le monde, hein. On regarde, commence, regarde, on perd le jeu, on en parle plus, on recommence, hein. Écoute, moi, tout le temps, pour être furtif, c'est pam 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 pam. Voilà. Et sinon, ouais, sinon j'allais dire, tu peux aussi cramer des points puisqu'il y avait un temple de héros juste à côté. Ah oui, mais je vais les cramer avec Ange. Je vais les cramer avec Ange, comme ça elle va pouvoir commencer à ramasser de l'XP parce qu'elle a déjà plus de la moins de la moitié de ses points de vie. C'est génial ça. Ouais, ça on adore en fait. Vraiment... c'est vraiment incroyable quoi ce jeu. Incroyable. Oh, c'est incroyable du cul. Hein. Oh oh. Oh, tu es l'homme bête. Alors, c'est quoi ça? Symphonie. C'est quoi ça? Ah bah attends, on découvre le perso, hein. C'est le sort, c'est quoi ça? Eh, au fait, Sion, n'hésite pas à boire ta potion ou à la vendre parce que au passage, quand on va tomber sur un crétin avec une torche, il va te mettre le feu. Ah, j'ai une popo, c'est vrai. Ouais, il va te la faire cramer et tu vas prendre des dégâts de feu supplémentaires. Ah ouais, merde, moi je vais la vendre en fait. On va la vendre, hein. C'est très simple. Oh, je prends 4 points, mais fi. C'est pour l'extraction quand même. Ah non, je vais pas le faire à chaque fois parce que vraiment je tue le celui à 9 là quoi. Ah, puis on va devoir d'argent à Bob Lennon. Hein. Ouais. Oh, j'ai pas envie de lui donner de l'argent. Non, ouais, c'est trop cool. Non, mais je sais, allez, finis-le. C'est une blague. Ah, il le tue pas, il le tue pas. Eh, quand même. Ça va quand même. Il se respecte un peu quoi. Oh, tiens, prends l'argent. Ouais, donnez-moi tout votre fric, c'est pour moi l'argent. Elle va encore au Galerie Lafayette. Allez. Ouais. Oh, garde. Ouais. Garde la Ponax. Une jambe. Oh, pour moi déjà. Garde, hein. Talent. Bah si, talent. Bah, je la passe à... Non, mais je la passe à Castellanos. Ouais, enfin, oui, tu la passes... Ah, excuse-moi, j'aurais su de Castellanos. Oui, je passe à Castellanos. Non, c'est... Session du bois. Ah, il arrive, il commence tout de suite, il ramasse une armure, quoi. Et il a son petit sanctuaire de pognon juste à côté. Il est refait. Eh, tu touches pas au héros en bronze, hein. C'est ouais. Orange, hein, le héros en bronze. Le combattant. Ouais, ouais. Bon, attends, j'ai passé par le haut, là. Je vais faire les trucs du haut, là. Eh, n'oubliez pas qu'il faut faire les coins de map, hein. Pour pas qu'on se fasse savoir s'il y a un temple coincé dans un coin. Hein. Ouais, mais j'ai passé par le haut, tu vois. J'allais jusqu'au au fort des ténèbres, là. J'ai passé sur le haut, je vois des trucs. Moi, j'avance. Voilà. Belle journée. Oh, belle journée. Bah... Attends, en plus il a pris aucun dégât. Tiens, va mourir contre le troll, va, ça va t'occuper là. Ah, c'est pas que j'ai pris aucun dégât, c'est que j'ai régène avec le machin en fait. Ah ouais, ok. Bah ok. Bah pote alors. Justement, j'ai pas envie de. Ah sinon, reviens en arrière. Ça peut nous donner des thunes. J'ai deux. Mais non, mais bah oui, mais bon, la première pipe elle est à 15. Hein. Donc toi, avant de te barrer, si on balance moi ta thune, que je puisse acheter la première pipe. La première... Attends, je passe mon or, tiens. La première pipe. Tiens, beau gosse. J'ai un truc ici. J'ai un truc là. Oh, y'a le tambour. Ok, c'est à moi de tuer le lutin du ballon. D'accord, ça marche. Ah, mais t'inquiète. Et t'as oublié de vendre ta potion nulle. Oui, c'est vrai, bon, d'autant, je reviens. je suis à côté. Vous aviez de prendre une réduction du chaos. Voilà. Mais ça, c'est pas sûr. Moi, je pensais que tu étais le leader en fait, c'est pour ça, c'est toi qui. Oui, non, bah, je vois, oui. Je constate en effet. Enfin, je suis le leader à 14 points de vie, donc on se câble quand même. Le petit marché, la pipe en lampe, 18 balles, putain. J'ai pas la tuite parce qu'il y a un crevard qui s'est barré avec 2$. Voilà. Pas vrai. Attends, là, il revient, moi je vends ma potion là. Plus ça coûte cher. Attends, décale-toi d'une case, il t'envoie ta potion, sa potion et tu la vends. Ouais, bah totalement, derrière moi. Voilà, super. Donne-lui ta potion. C'est pas du tout moi qui ai besoin de régénérer des points de vie, ça fait plaisir. Tiens, mec. Mais tu veux. Mais le héros de bronze te redonne pas de la vie aussi? Je sais pas. Vas-y! Non. 12 points XP, 6 points d'XP de groupe. Ah, pas. Les sanctuaires, ah, ça m'a. Oh, morte couille. Est-ce qu'on va savoir si on recommence le jeu vidéo maintenant? Oh, mec, non, t'abuses. Embuscade. Non. 34%, oh, c'est 100%! 34%! Mais NDR, c'est chat, on la pique là! Je suis l'héroïne ou pas? Je le toucherai jamais! Faut faire des perfects, jamais je vais le toucher! Regarde comment mourir contre un lutin des ballons! Non mais mec! Ah, c'est juste touché! Parce que je n'ai que 76% de chance de le toucher! Hein. Quoi?
Oh là là là, putain, non mais sérieux. Non mais c'est... Oh non mais... Deux points de vie. Eh, hey, tu sais ce que je dis, hein, Shinai, hein. Deux points de vie, c'est au moins deux points de vie de trop. C'est au moins deux points de vie de marge d'erreur. Allez, c'est une belle journée, là. Oh non. Je lui ai dit non, arrête de déconner, quand même. Tour 1, arrête de tricher, tonton. Oh, regarde, 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 je peux récupérer des points de vie juste derrière. Mais c'est quoi cette chance? Mais MDR aussi. Oh, ya 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 ya. Tiens, dans ta gueule, la belle journée. Oh là là. Non mais je réclame... Je réclame là, là quelque chose. Fais ton grand tour hein, au nord et puis on se retrouve... Ah ouais, on se retrouve peut-être à Bois-Tuyer en fait. Ouais, ouais. Tu veux quoi, tu veux que j'aille vers l'homme mi-bête ou... Bah non, je voudrais que tu révèles les cases qui sont juste bah, à côté de toi, à ta gauche là. Ok. Aha oh. Cherchez. 49% de chance, c'est 100%. Waouh, une racine dorée, trop bien. Trop bien. Je sais maintenant ce que, à quoi sert divertissement, c'est quand je suis sur une case. De... Sinon, Castellanos, au lieu de nous expliquer des trucs débiles, tu veux pas me donner ton argent? Moi, ton argent. J'en ai tout de suite. Excuse-moi, donc oui, tu expliquais. Ok, super, c'était génial. Je suis la meilleure. Je suis la meilleure, je peux pas rater. Ah, il a guidé. Voilà. Moi, je veux bien le faire s'il reste. Je suis niveau 1. Ouais, je suis niveau 1. Non, mais laisse-moi le faire. Pourquoi on a autant? Ah non, bah non, c'est à Shinai de le faire. Non, attends. Pourquoi? Mais non, non on est à 70 mort. Tous les deux, on s'en fout. 70 en vigilance, et... tous les deux. Et le but, c'est elle, que ce soit elle qui est, c'est, que ce soit lui qui est le plus de... Et idéalement, il faudrait que ce soit moi qui gratte de l'XP. En fait, il faudrait, ouais. Il faut que ce soit Ange qui gratte tout l'XP. Parce qu'en fait, Ange en fait est un personnage extrêmement faible, c'est ça le problème. Fais ton capitalisme là, vas-y, allez, ton XP. 4 XP, wow, trop bien. Ça a changé la face du monde. Mais c'est en fait, c'est vraiment important que ce soit Ange qui ait le plus d'XP, qui ait tous les bonus parce que c'est un personnage ultra faible. T'inquiète. Genre, je sais bien. Genre tout claqué. Marchand magique. Je rêve de prendre la planète après, c'est chiant. Bon bah, du coup, moi je suis long en fait. C'est génial! Ah! Oh, il y a une grotte sombre! Après, on peut peut-être te rapatrier à la grotte sombre! Ouais, rapatrie-moi, tiens! Ouais, okay. Une bonne idée! Rapatrie-nous tous les deux en fait! Entrez dans le groupe! Voilà, comme ça on a gagné! Bah, yes, mec! C'est trop fort! Ah! Ok, on y va! Par contre, c'est action directe! Par contre, je vous préviens, ils sont de mon niveau, hein, pas du vôtre! Ouais! Heureusement que j'ai. Ah, yes! T'as volé! Bah oui, mais te vole une bourse de malade! Donc, focus le petit connard! Merci oh monsieur. Non le monsieur il est quand même pas très charmant. On pas, focus un petit coup. Touché. Ah c'était nul mais j'ai touché. Il faut tuer. Si tu fais des dégâts je le tue. Si tu fais des dégâts je le tue. Et en plus il joue après. Ouais mais tu as fait aucun dégât si. Focus justice. Oula. Ah oui justice c'est pas mal. Marqué, je crois. Mais là par contre je l'ai fait qu'avec ma première capacité. Avec ma deuxième capacité, tu fais du 10 de dégâts à peu près au mec à côté. Ouais, c'est-à-dire. Apprends encore. Oula. J'ai encore 9 points de vie trop petit. T'y arriveras jamais à me vaincre. Par contre, zéro chance en fait. Je vais surtout crever s'il me retouche. Vas-y on prend toi Shinai hein. Je le tue le tue à 10, je le tue sur 10. Moi. Je le ralentissais, hein, c'est pour ça. Oui, c'est sûr. Ah, putain, le PV. J'ai mis des points dedans. J'ai dit que ça me rappelait des fois Darkest Dungeon. Il a été très aimable de m'esquiver, le monsieur. Bah, je suis enflammé. Trop bien. Burn, baby, burn. Défonce-le. Celui-là. Et vous avez. On le tue, bien. Vous pouvez jouer on tous les deux pour celui-là. On le tue. Pas besoin de mettre deux points, on le tue, hein. Ouais, non, mais c'était pour. T'inquiète. Est-ce que, calmez-vous, hein, je vous rappelle que j'ai pas encore de quoi vous régénérer vos points. Moi je level up bientôt. Ah, quand il faut pas faire un perfect, je le fais quoi, ça me. Ah, mais d'ailleurs, je vois aussi qu'on a moins de points de. Oh c'est pour Castellanos, ouais, du coup. Pas celui. Tiens, ta brousse d'Amadou. Sa tante. Ouais. Ça c'est pour moi par contre. L'argent. Voilà. Ça par contre, 19. Ah bah ça c'est pas pour. Ça c'est pour n'importe lequel d'entre vous. Non, pas pour moi. Ah, attends, je peux voir éventuellement. Ça peut.
C'est moins fort que mon âge. Moi aussi, c'est moins intéressant. Parce que ça se passe avec l'intelligence et que je suis moins bon. Non, passe à Castellano. Mais non, ça, j'ai aucun intérêt d'avoir de la vigilance, ouais. Moi. Ah, ça, oh! Ça, par contre. Ouais. En vrai, je vais le mettre. Non, on va le laisser à Ange. 5 d'esquive. Ah, mais c'est soutien à distance. Compétence ouais. Aussi. Ouais, bah c'est pas du aussi, hein. Ce qui est fort. 5 de vitesse, plus vite et 1 de résistance au groupe, ouais. Non, vas-y, c'est juste fort en fait. J'équipe, hein. 5 d'esquive, mec, il passe déjà à une chance sur 5. Voilà. Donc, fort. Alors, je sais que j'ai moins de chances de toucher à l'épieu, mais je vais quand même m'équiper de l'épieu temporairement. Vous m'en voudrez pas si je fais un soin du groupe ou on dit que est prêt? Non, vas-y, soigne-toi, mec. Soigne-toi. Oh là, en souffrance, hein. Oh! Oh, Terry! La boutique! Alors! Le lutte de verre. Ok! Non! Il y a la fausse barbe, hein. 4 dégâts là, ça change tout. Il y a un lutte correct. Hey, Terry! Il y a une épée lourde. 35, si je m'en démerde, ça se fait ou pas? Genre, attends, je déséquipe, je rééquipe ça. Tu fais quoi l'épée lourde? Bon, on peut pas l'acheter de toute façon. Comment si je te passe ma hache? Ouais. Épée lourde, elle s'utilise avec 4 trucs. Enfin, 4 de force, il faut faire. Ouais, pareil, 15 de dégâts physiques. Elle a frappé enchaînement. Donc, frappe, c'est 15 dégâts à un mec. Enchaînement, c'est 23 dégâts maximum. Et tu perds 25%. Par contre, attends. Ouais, par contre, t'as un malus de 25% en précision. Et il faut faire 5 succès. Ah ouais, non, vraiment ma hache. Tu fais que basse tout le temps. Comment ma hache? Je te rends ta hache et surtout j'ai envie de te dire, je vais racheter d'abord des barbes dues en fait. Ouais. Ça va être l'enfer, hein. J'en ai acheté deux. Attendez, faut que je m'équipe de ma hache. Bah équipe-toi de ta hache. Sauf si tu si je l'ai pas, ça va être trop chiant. C'est bon. Bah du coup c'est bon, j'ai racheté deux barbes dues. Alors par contre, moi je peux vous filer ma tente. Je vais filer ça au plus blindé de nous tous. Voilà. Ouais, mec. Et je passe. Voilà, ouais. On s'est déjà passé, on est amis. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a de l'argent là? Oh, c'est mon pognon ça, j'y vais. Ouais, c'est mon pognon ça. J'ai mis mon pognon là. Hé hey, qu'est-ce que tu fais là? Donne l'argent. Oh, ouais, et oh. Hey, l'autre là, il est là en train de faire l'homo au coin de la rue, il a cru que ça lui revenait à lui parce qu'il avait travaillé. Oh, mais t'es fou quoi? Ce qui se passe, c'est à chaque fois que je suis devant un marchand ou devant des PNJ, je gagne de l'argent. Une chose. Trop bien. C'est pédé. J'ai pas compris ce qu'il a dit, lui. Il a dit ouais, yeah. Oh yeah. C'est trop bien. Est-ce que vous voulez bien tuer le mec à la fourche? La fourche, ouais. Y'a pas tous, mec. Bah, tu le tues normalement. En bas. Bah, bute-le. Moi, je peux retarder le. Pour d'un. Bah, non, okay, parce qu'il lui reste un point de vie, évidemment. Okay. Bon, évidemment. Bah, ça serait pas drôle, hein. Ça serait pas drôle. Ça serait juste pas drôle. Ouah, mais le mec il fait vraiment de la country. Ah, trop bien. Ouais, par contre, je suis trop dégoûté que je puisse pas avoir le style métal. À moins que les squelettes qui ont le métal, je suis dégoûté. Peut-être que. Y'a que les squelettes ont l'arme. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai bouffé. Je suis fatigué. Putain, mais moi je prends 0 dégâts, c'est un peu de barge, hein. Bah, il t'aime pas, hein. C'est moins de moi, non, on va pas te taper, mec. Sympa. Non, Ange, elle est sur une extrémité. Elle est sur une extrémité. Ce serait pas le cas. Ah ouais, d'accord. Certes. Ça, par contre, ça part pas en justice, là. Ah oui, parce que j'ai mis un point. Par contre. Eh merde, j'ai pas pu le retarder. Pas cru. Aïe. Bicote. Ah, les mobs, ils sont vénères, en vrai. De ouf, hein. Je fais aucun dégât avec ma canne nulle, au secours. C'est compliqué au début, hein. Ouais, bon, attendez, je vais mettre un gros coup de HE dans la tête. On va passer autant de temps sur ce map que sur le reste du don. J'espère que le boss à la fin il est sympa. Hein. Vraiment. Parce que là, je n'aurai même pas de boss. Tu auras pas de boss. Hein. Il n'y aurait rien du tout. S'il y aura un boss. On récupère ? Ouais, on récupère ou pas ? Non, c'est moi le plus intelligent. C'est moi qui récupère. Parce que c'est basé sur l'intelligence. Mais non, je suis pas intelligent. Oh, j'ai 44 d'intelligence. Aïe. On dit qu'on est prêt, hein. Oh le débilus. Y'a pas de boss, c'est tel. Y'a pas de boss, trop bien, trop facile. Vous voulez que je l'ouvre? Vas-y. C'est moi le plus talent que.
Bon, tu peux laisser casser le souvenir, sinon il en est. C'est pas par ici la monnaie. Voilà. Ah non, il faut le savoir, ça en est bien. Ça, c'est sur les gens qui sont intelligents. Inspiration. Ça, tu peux équiper tant qu'on a pas mieux, tu peux équiper. Hein. Ouais. Que je l'ai. Oh, tu peux équiper, hein. Enfin, tu peux filiation. Oh, je suis pas intelligent, j'équipe. Débilus. Débilus. C'est quand même beau, hein. Tu t'es mis à portée de la plaque, du coup, t'es devenu idiot. C'est ça. Débilus. Ah, mais c'est pour ça que les golems de fer, ils sont vraiment débiles. Ouais, t'avais pas compris? Eh là, t'y crois trop. Voilà. On va se faire taper dessus. Oh, mais quel blocage! Tu le tues, vas-y. Hein. Ah! C'est bien, hein, ça fait des jolies étoiles. C'était magnifique. Ah! C'est bon, je le shot. Oh, il... Non! Non, parce qu'il faut faire un perfect pour toucher. Ah, après, putain, j'ai pas cette force. Ah, ok. Un dégât. Un dégât, vas-y, bah, il m'aurait frappé, il m'aurait fait 95 dégâts. Tu me mets à 15, hein, c'est bien. Moi, 6. J'ai mal à la gueule, putain. On va jamais le tuer. Là, il fait un crit, je suis mort. Détruire. Juste détruire, en fait. Ah, oh, ça claque le Puntos. Vas-y, Puntos. Vas-y, bah, je vais prendre la destinée. Je vais en récupérer, hein. Joli, joli. Bon, c'est bon, 100 points, 100 points, 100 points. C'est un peu overkill. Ah, ouais, ça, c'est les petits attraits de Darkest Dungeon. Hein. Le mec, il reste 2 points de vie, tu lui fais un crit. Très intéressant. Mais tu sais que ça, à chaque fois, ça fait ça. À chaque fois, c'est puant. J'en ai marre. Ouais, mais le jeu, c'est le pire avec ça. C'est pas être l'élu. Oh, est-ce que tu veux voir les marchands ou pas? Non, non, non. Bon, je régène. Et après, je reprends mon PV. J'irai moi. Je reprends mon PV du coup. Y aller. Mais je vais aller, il faut que j'aille à Boituillet. Ah! Un combat là. C'est bon, hein. On peut la combattre. Ah, tu veux l'embuscade toi? Ah, t'es un fou! Ouais, bah, c'est pas grave, je vais prendre 2 claques et je vais mourir, ça va être bien. Même elle, elle me fait 4 dégâts. Au secours! Au secours! J'ai fait un critique à 3. Tu la butes, hein. Bon, je vais la buter, hein, t'inquiète pas. Hein. Gros muscle! Voilà, putain, c'était bien. Le problème, c'est qu'on a deux persos dégâts magiques pour la fin de la game, ça va être compliqué. Tiens, ah, tu passes ton niveau ou quoi? Ouais, j'ai déjà toi. Tu brouiller des mobs tout seul? Oh! Non. S'il vous plaît! Ah, bah, c'est pas pour moi ça! S'il vous plaît! C'est pas pour moi! Je suis trop con! Putain, j'ai au moins plus de chances de réussir mes sorts, c'est déjà ça! Ah, c'est mieux que rien quoi! C'est clair, au début, c'est vraiment. Ah, si nouveau le marchand là! Franchement, pour toi, il y a un médaillon de vitalité. En ouais. Vrai, j'ai assez d'argent, je vous prends ça. Tant pis pour les herbes. Hein. Mais je pense que c'est un bon investissement. Castellanos, je reste sur place pour récupérer des points de vie, mais dès que vous passez. Essayez de passer tous les deux à côté de moi. Comme ça, je vous file vos médaillons respectifs. Ouais, mais carrément, genre, passe vers lui et reviens descendre pour aller, aller vers le. Le chaos, non? Bah écoute, un truc. Ouais, moi je passe d'abord par bois, tu file, donne-lui aussi le mien. Je lui ai donné les deux. Il passe vers moi. Ok. Je lui ai donné les deux, tu peux redescendre vers lui. Moi je passe d'abord par bois, tuyer. En fait, là ouais. si je passe mon tour sur lui, je vais avoir le divertissement qui va proc. Donc je vais gagner de l'argent. T'as raison, reste ici. Voilà. Tu vas me faire gagner de l'argent, j'aime ça. Non! Pourquoi? C'est ça marche pas. Pas, mais je crois que le jeu t'a bulli, gros. Ah, vas-y, donne-moi l'argent, mec. Grâce, tu lui files le médaillon de santé max. Yes, donne ça. Voilà. Pas de belle journée, pas de belle journée. Faut pas déconner. Ah, tu as bien assez profité. Oui. On fait plus les on remonte et on se fait le KO. Hein. On a lu une fois? D'accord. Oh, alors, on pas en plus, hein. De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Fait-il? Hein? Allô? Allô? Vous fallait lire, c'est ça? Ouais, ouais, je crois. Ouais, je crois aussi, j'ai pas le temps de voir. C'est vrai que par réflexe, j'ai zappé. Combien de campements de chefs du KO on a là?
3. On descend sur celui du bas là. Assez pour vite être débordé. Il me reste des sous, je peux acheter des tas de choses, hein. Incroyable. Ce qu'on peut faire, on peut passer celui qui est en bas là, en bas de bois de tuyer, on remonte sur celui du haut. En même temps, on prend le cristal là. Donc ça peut être worse. Je vais revendre mes parchemins, mais je crois pas que ça a changé grand chose. Putain. 3 thunes, je te le vends. Alors j'ai pas regardé pour les services. Merde. Ouais, qu'est-ce que je fais? Il manque une pièce d'or pour faire une nuit à l'auberge. Voilà, Ange, donne l'argent. Voilà. On est pas très riche. Alors on se fait ça dans quel ordre là? Et on se fait celui du bas, c'est comme on fait le cristal, le caillou du bas, on remonte sur le caillou du haut. Le bas? Ouais, celui qui est en bas là de bois tuyer. Ok. En bas à droite. Ok, on passe par la mine. Comme ça on prend, je prends le cristal et on fait les deux au-dessus. Bah le cristal c'est quoi? Ce sera de la vue, donc ce sera soit Sion soit Ange, et ce sera Sion qui va s'y coller parce que moi j'ai pas de PV. Voilà. Bah j'irais. Où j'irai, ça dépend. Oh. Vas-y. Ouais. Vas-y, roule. Allez, Giroud. Belle journée. Eh non. C'était pas ouf comme journée. C'est vraiment la pire journée, quoi, genre. La troisième que. Comment? Je comprends pas la logique, ça fait déjà la troisième que je. Mais parce que toi, t'es juste un mec qui a trop de chat en fait. Ah, ok, on fight un truc. Aïe. Très belle distraction, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Quand j'ai vu que j'allais me faire taper dessus, j'ai apprécié la distraction. J'ai fait 7 dégâts, je suis un monstre. J'ai vu que j'allais crever. Ouais, yes. Oh, j'ai bloqué. Par contre, moi, j'ai pris cher d'un coup. En plus, le mec, il passe les animations, là. J'en ai passé aucune, non? Si. Ah bah, si tu veux, je laisse toutes les animations. Bah, si. Aucun problème, désolé, ouais, réflexe. Pas de soucis. Je te laisse toutes les animations, même je le temps de décision de Shinai. T'auras tout. Ah, nickel. Moi, je pourrais savourer ce moment de pure musique. J'aime bien l'animation, mais c'est clair. Avec les ragdolls de ouf. Ouais, il a l'air de trop ouf. Bien posé, là. Celui qu'on vient de buter. Détruis-le. Genre il est trop bien posé, alors il a l'air de dormir sur son genou. Trop bien. Son petit caillou, tout bien. Une sieste et tout. Oh, critique. Ange est le héros, c'est la tortue. Yes. Wouhou. Oh putain, je suis l'héroïne la plus riche. Enfin, je suis niveau 1 quoi. Saut de démoniste, pour les idiots. Sion, Sion, prends ton chapeau d'idiot. J'en veux pas. Si, tu prends. Je l'ai passé. Non mais je l'ai passé. Récupère-le. T'es je l'ai couillon, passé. Il fallait le prendre. Oh, ah ça je le prends. Bâton de fortune. Ah, non, tu prends pas. Bah si. Ah bon, ok, d'accord. T'as des dégâts magiques. Ah oui. Enfin oui. Enfin je vends quoi. Ça tu. D'accord. Bah redonne-moi mon casque d'idiot alors. Reprends ton casque de Devilus. T'es puni, tu vas au je coin. Je suis un Devilus. Enfin au coin. Idiot bête. J'ai 40 intelligents. Mais tu crois à toi? Il manque plus d'avoir. Non, en même temps, faut vraiment être très con pour se mettre un saut sur la tête. Star Vion. Tu sais qu'il manque plus que la malédiction du Devilus, c'est fini, hein. Je ne sers plus rien. Il y a que moi. Ouais. Faut que t'attendes qu'il bouge. Regarde. Récupère un PV, t'es bien. Oh. Je suis trop gros, c'est pour ça. J'allais claquer un point de concentration pour aller sur le marché nocturne, mais. Non. Et il est pas ouvert. Il est pas ouvert. Je gagne de l'argent sur les cases de marché où il y a de la population en fait. Bah et oui, mais je sais pas si tu gagnes parce qu'il est fermé du coup. Ah ouais. Et là, tu peux en gros, parce que moi j'ai du coup le soutien à distance. Combat. Le Tortoman. Je suis tellement mort. Je vais mourir. Secours. Juste enseignement quoi. Enseignement direct. Oui, bon, ça l'a plus là. Ah, ouais, je sais pas, ouais, le jeu aime bien tant réfléchir. Il fait est-ce que c'est le porteur de la flamme éternelle? Est-ce qu'il va vous buter? Ah, ouais, le jeu il a pas l'air d'accord là. Ouais, ça l'a pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, bah, vous avez été déco?
Ah, intéressant. Ah, petit crash. Eh, vous savez quoi, en même temps, ça fait 29 minutes et 30 secondes. Est-ce que c'est pas parfait pour dire qu'on met fin à la vidéo quelque part? Mais totalement. Et qu'on dit à la prochaine à YouTube et qu'on lui fait des bisous parce qu'on va continuer l'aventure. Ouais, bah. Des bisous. Ou à plus tard. Je sais pas comment. Des bisous.